Allez, c'est parti, on se retrouve sur un Ranked de Race Room GT3. Je suis avec la Mercedes. On est parti donc sur Nürburgring pendant 15 minutes et je suis pas très bien placé. Je dois être, je pense, 13e si je dis pas de bêtises. Très difficile hein, de se faire une place là-dessus. On va voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que c'est des tours sous la minute, donc c'est pas évident. Et en plus, petit manque d'optimisation pour le circuit, parce que forcément à un moment on se croise, donc il y a quasiment, je vais pas dire 30 bagnoles à afficher, mais voilà, c'est un peu compliqué en termes d'optimisation. Donc on va voir ce que ça donne, en tout cas je parle pour la VR. Allez. Donc on met pas l'embrayage, hein, il n'y a pas de faux départ sur les... sur l'online de Race Room. Alors à mon avis, il risque d'avoir un petit peu de castagne. Voyez, vous voyez? Non mais regardez-moi ça. Lui, il faut qu'il soit banni, lui. Pas possible. Ah, dû se tromper de pédale, pardon, tout simplement. Ouais, ça va se dédoubler, ça va tout faire. Hein. Oh, lui est parti un petit peu en spin. Et qui va au stand, je sais pas ce qu'il a fait. Allez, 12e. Je crois que je manque un petit peu de vitesse de pointe. J'aime pas ici ce virage là. Ici là. Il faut vraiment raser les barrières. Ah, ça s'attaque dans tous les sens, hein, vu la largeur du circuit. Lui il est à l'intérieur donc forcément ça va être compliqué pour moi. Merci, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est sérieux quoi. Ah là 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 là. Et lui là, et lui là. Tu m'as pas vu lui? À mon avis, le vendredi, c'est pas une... C'est une journée à éviter sur les Ranked. Hein. C'est ma 4e course, je crois, cet après-midi. Allez, Pélis. C'est un petit peu particulier parce que pour vous faire la vidéo en réalité mixed, comme on appelle avec mon volant, il faut que j'enlève le volant dans Race Room, c'est-à-dire je n'ai pas actuellement ce que je vois en VR, je n'ai pas le volant.
c'est un petit peu déconcertant au début. Alors après on s'y fait, hein, c'est comme tout. Allez, 10 minutes. On est quasiment tous dans le même rythme, hein, donc il y a celui qui fera une erreur. Bien pouvoir la prendre cette petite Porsche. Tu vois, je le prends beaucoup moins bien. Ouais, il est plus rapide que moi. Ouais, il a fait la même erreur que moi. Sauf qu'il s'en est mieux sorti. Passage en première, régime trop important, vitesse trop importante. Ça m'a été fatal là. Ah, j'ai touché. Ah, il a plus d'une seconde. Allez, en l'état, il reste 6 minutes. Petit 1, je l'ai, je le double. Petit 2, je le double pas. À vous de juger, à vous de voter. Et là, il y a moins d'une seconde.
Ouais, il a repris plus une seconde là. Une seconde 4 là. Tant vous dire, ça sent pas bon. Tourne toujours dans les mêmes temps, toujours au même rythme, mais ça veut pas aller. Peut-être que j'enlève un petit peu de traction control. Ah, il y a du niveau ici, hein. Ouais, je touche, eh oui. Je voulais reprendre un peu par rapport à l'erreur qu'il venait de commettre. Allez, moins de 3 minutes. Ouais, une seconde 3. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe devant? Ils vont splitter les deux, c'est sûr. Ah ouais, mais ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Carburant ou...
Incroyable, P8. Eh ben pour finir, je l'ai passé. J'aurais pu aussi me le faire lui. Hein. Ah, s'il me restait deux tours peut-être. Mais bon, 8ème, c'est pas si mal. Et comme vous l'avez vu, un peu de casse au début. Mais bon, c'est aussi un circuit un peu spécifique, mais les mecs, je sais pas, ils ont oublié de freiner. Pas ce qui se passe. Bref. Bon, bah bonne petite 8ème place. Moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss.